Corinne. Bonjour Pascal, bonjour Emmanuel, ravi d'être avec vous. Bonjour Emmanuel Bonjour, aussi. bonjour. Donc Corinne, c'est ton tour. Hein? J'attends ça depuis. Alors, ça va être étrange, hein, j'attends ça depuis des éons. C'est-à-dire que c'est Corinne qui est en face de vous, mais c'est toutes les tout ce qu'il y a derrière moi qui attend ça en disant youpi, youpi, voilà. Je comprends, je comprends. Bon, ben, écoute, Corinne, allez, sans tarder, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu désires travailler pour ta session. Avec grand plaisir. Alors, j'ai fait un tableau pour être le plus efficace possible. Oui. Voilà, et donc j'ai traité l'aspect ésotérique, l'aspect familial, l'aspect santé et professionnel. Voilà. Bien. Alors, non, mais c'est très clair parce que, comme je vous l'ai dit en préambule, j'attends ça depuis des éons, donc je sais ce que je dois dire et je suis consciente de tout. C'est T'as ça qui est bien assez préparé ton étonnant. affaire, quoi. Ouais, complètement, complètement, et je sais vraiment où je veux aller, quoi. Voilà. Alors, j'ai parfaitement conscience d'être née dans une famille à magie noire. Vraiment. C'est D'accord. clair, net, précis. Mon frère adhère aux forces sombres, il le dit. Je pourrais donner des détails, mais ce n'est pas le moment. Voilà, donc c'est clair, c'est net et c'est précis. Je suis née tout à fait consciente du monde dans lequel je mettais les pieds, avec toutes les difficultés liées à mes parents. Donc je savais que j'étais dans une famille où ça allait être très dur. Je communiquais déjà avec l'invisible. Mes parents, évidemment, étaient sous le choc. Donc à l'âge de 18 mois, j'ai fait une chute et j'ai fermé mon troisième œil. Enfin, disons que cette chute a été la fin de la communication aisée que j'avais de l'autre côté du voile. Ça, c'était, on va dire, mes premiers pas dans cette dimension. Ce qui va être très Alors, fort. Dis-moi, Corinne, Pascal. tu sais, je ne sais pas, comme tu as l'habitude de voir mes séances, c'est vrai que je demande aux Oui, pour gens que ça soit de ne pas me raconter concis. leur vie, plutôt C'est clair, de me c'est poser les clair. points sur lesquels tu veux travailler. Autrement, on va avoir pour une heure Exact, exact. d'explication. Excuse-moi, tout Ça à va être fait, pris tout à sur fait, ton tout à fait. temps. Ça serait dommage. Exact, tout à fait. Non, mais tu fais bien de me le dire parce que forcément, je replonge dedans. Donc, Eh c'est ça en oui. fait, tu vois, quoi, voilà, c'est logique. Alors, Alors, c'est soyons pas simple, on concis. me voit que des points, voilà, que des problèmes, Oui, je dis oui, tac, oui, oui, tac, oui, oui. tac, tel point. Pas de souci. Je t'ai comprise. À l'âge de 7 ans, j'ai une visite nocturne d'êtres nuisibles. Et ça, c'est très important pour moi parce qu'ils sont venus. Ils m'ont mis en état d'hypnose. Ils ont hypnotisé mes parents et m'ont montré qu'ils étaient incompétents pour m'aider. Donc, ils m'ont demandé un prélèvement de sang que j'ai accepté. J'avais 7 ans. À l'âge de 13 ans, j'ai visité donc des laboratoires reptiliens dont j'ai réussi à m'échapper. Peu de temps après, j'étais en cours de géographie et je vois le Machu Picchu. Je fonds en larmes en disant c'est ma maison. Donc j'ai un lien particulier, je ne l'ai jamais vu, hein, le Machu Picchu. Pourquoi ça vibre autant, je ne sais pas. À l'âge de 20 ans, j'ai eu Alors un attends, télé. tu vas. Par contre, tu Dis-moi. vas trop vite. J'arrive plus à Ah, suivre pardon. là. Alors Ok, attends. d'accord. Donc j'en Dis-moi. suis au Machu Picchu là. Tandis au Machu Picchu, où j'ai eu cette prise de conscience en sentant pour la première fois de ma vie que j'avais un lien de cœur avec quelque chose. J'étais heureuse pour la première fois parce que j'ai un lien que je ne connais pas. Je ne sais pas. Voilà. Alors, avant le Machu Picchu, tu m'as dit quoi? Là, j'ai été entre, à l'âge de 7 ans, ta visite nocturne, le Machu Oui, et. Picchu, et entre les deux, il y a quelque chose que j'ai pas noté. Oui. Je suis allée dans des vaisseaux où j'ai vu des reptiliens. Tu avais quel âge là? 13 ans à peu près, 14, ouais, à peu près. C'était dans les mêmes eaux. 12, 13, 14 ans, D'accord. c'était le même laps de temps. Ok. 13 ans à peu près. Ok. Ouais. Très bien. Vas-y, tu peux y aller maintenant, après le Machu Picchu. Alors, donc, à l'âge de 20 ans, j'ai eu un téléchargement durant la nuit. Des êtres très positifs sont venus et m'ont montré comment changer d'espace-temps. Et donc, je suis passée de la médiocrité, c'est-à-dire que j'avais des difficultés scolaires, à l'excellence, où j'ai réussi à aller jusqu'à un doctorat avec des résultats exceptionnels. Donc, Ah oui, j'ai c'est téléchargé intéressant. quelque chose. Oui. J'ai téléchargé quelque chose que j'aimerais bien re-télécharger aujourd'hui parce que ça a été foudroyant et je n'ai plus du tout douté de moi. Par contre, je n'arrive plus à trouver la clé. Voilà. Alors.
Donc, ils t'ont enseigné comment changer d'espace-temps, c'est ça? Oui, comment changer d'espace-temps et comment passer du mode perdant au mode gagnant. Et je suis thérapeute depuis 30 ans, donc après, je l'ai enseigné et ça marche à tous les coups. C'est tout simple, aujourd'hui, Greg Braden en parle, aujourd'hui, c'est chose de connue, Oui, hein. Voilà. Bien Bon, moi, je te sûr. raconte ça, j'ai 57 ans, donc tu vois, ça date, hein. Il y a 30 ans, moi, j'ai reçu 100 téléchargements. Donc, tu aimerais y retrouver ça. Ok. Ah ben Et oui, si je pouvais faire la même chose. puis c'est intéressant pour le collectif en plus. Bah tout à Hein? fait. Ce genre de recette. Voilà. Alors j'ai toujours eu beaucoup de rêves, hein, mais il y a un rêve très fort, à peu près donc quand j'avais une vingtaine d'années. J'ai rêvé que j'étais en lien, j'ai carrément rêvé que j'étais à côté de Saint-François d'Assise, qui lui m'a expliqué sa communication avec les animaux. Et il m'a dit que j'avais la même. Effectivement, j'ai un lien très particulier avec les chats. Et notamment, j'ai vu aussi sur d'autres plans des humanoïdes à tête de lion qui ressemblent à des acturiens et qui m'ont expliqué que j'avais un lien très fort avec eux. Donc, s'il te l'a expliqué, tu t'en rappelles encore ou le but c'est de t'en rappeler? Le but, c'est de savoir ce qui est, si effectivement c'est bien juste et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui avec ces données, comment je dois les utiliser. J'ai autour de moi deux chats. Je suis allé, alors justement, je verrai ça plus tard, mais je suis allergique, justement, je suis allergique aux chats et je suis constamment entourée de chats avec qui je communique très intensément. Donc depuis, tu utilises ce qui t'a été enseigné, Exactement. c'est ça? Et donc ça Exactement. fonctionne. Depuis. Oui, Donc ça ça fonctionne. fonctionne. Oui, mais la Alors question que je pourquoi? me pose, Alors c'est c'est quoi ta pourquoi question? je suis allergique? Pourquoi je suis allergique aux Ah, chats? d'accord. Du coup, c'est Ok. pas logique. Je me dis, d'un côté, je ne peux pas les approcher parce que j'ai cette allergie, et de l'autre, j'ai un lien particulier avec eux. Donc là, il y a un paradoxe. Tu ne communiquais avec les chats ou avec tout type d'animaux? Tous. Mais plus avec les chats, c'est totalement inné. D'accord. Ok. Voilà. Je t'écoute encore. Alors, en 2005, grosse attaque de magie noire sur ma fille et moi. Je ne sais pas quel impact ça a eu sur moi, en tout cas sur ma fille, ça a été dramatique. Elle a été sauvée in extremis. Donc ça, j'aimerais savoir s'il y a des séquelles ou pas, si j'ai subi quelque chose ou pas. Si ma fille a encore quelque chose, je ne sais pas, mais c'était vraiment une magie noire qui venait des Antilles, qui était collée sur ma famille, c'est-à-dire mes enfants et moi. D'accord. En 2017, donc là c'est assez proche, une personne est rentrée chez moi, que j'ai invitée, je n'ai pas compris tout de suite, mais cette personne a fait des choses très sombres dans ma maison et dans mon jardin. Jardin. J'ai un jardin très particulier où je suis connectée à la forêt de Brocéliande puisque j'habite pas loin. Alors, Ça intéressant. aussi. Eh oui, donc j'ai un vortex dans l'arrière du jardin qu'on pourra aller voir ensemble, hein, n'est-ce pas, Emmanuel? C'est pour sourcer avec Merlin l'Enchanteur. Voilà. Et donc à ce moment-là, des gants, j'avais des gants de cuir qui ont disparu. Et dans la nuit, alors là, ça a été énorme. Des reptiliens ou des petits gris, j'ai pas su, je ne sais pas trop lesquels, hein, sont arrivés dans ma chambre. Ils m'ont immobilisée avec un rayon. J'étais coincée dans mon lit. Mais à chaque fois que je les rencontre, ils me laissent suffisamment consciente. C'est comme s'ils jouaient au chat et à la souris, c'est intéressant. Et ils m'ont dit, donc tu sais ce qu'on est en train de te faire, tu ne peux pas bouger, on va te coller un implant cardiaque. Et là, je leur ai dit, mais j'ai plus 7 ans et je vais me défendre. J'ai fait appel à la Vierge, je les ai mordus et ils sont sauvés. Par contre, est-ce qu'ils ont réussi à poser un implant? J'en sais rien. Quelles sont les séquelles? Je les ignore. Ok, on va voir ça. Voilà, alors ça, c'est terminé. Dans Donc l'aspect. tu as invoqué la Vierge alors. Oui. J'ai invoqué la vibration de la Vierge. Oui, j'ai un lien très fort avec la Vierge et avec la vibration christique. J'ai toujours su que j'avais vécu à leur époque. Donc, dès que je fais appel, il se passe des choses très intenses, oui. Tout à fait. D'accord.
On va voir ce qui se passe, d'accord. On va voir qui s'est présenté quand tu as invoqué la Vierge. C'est intéressant. Oui, absolument. Absolument. Donc, j'ai une naissance particulière. Ça, c'est plutôt le lien familial, on va dire. Ma mère a eu un enfant avant moi et j'ai la sensation que cet enfant qui est décédé, c'était moi déjà. Il s'appelait Alain et ma mère était torturée pour qu'elle perde cet enfant, une torture horrible par sa mère. Enfin, bon, je ne sais pas ces détails, on s'en fiche pour le moment, mais je pense que j'ai été et Alain. Et je suis Corinne. J'ai un lien fort par rapport à ça. D'accord. On J'ai un verra. lien très fort avec ma fille et mon fils. Donc j'ai deux enfants, fille et garçon. J'ai un lien très fort avec ma fille et j'ai besoin de savoir aujourd'hui lequel parce que je les retrouve en méditation. On a vraiment quelque chose. Bon, d'accord, c'est ma fille, mais on a un lien de cœur qui est d'une force incroyable. Et quand on est toutes les deux, il se passe des choses qui sont vraiment très fortes. D'accord. Voilà. J'ai aussi un lien fort avec mon fils, mais ce n'est pas la même chose. Hein. Tu me suis? Ok. Oui, Ok. bien sûr. D'accord. Vas-y, tu peux continuer. J'aimerais bien savoir pourquoi j'ai autant de difficultés à divorcer que mon mari. Je sens des manipulations qui sont négatives. Voilà, donc là, j'aimerais bien en terminer. Ça traîne. Pourquoi, comment, je sens qu'il n'est pas maître de la situation et qu'il y a quelque chose de sombre derrière. Voilà. Dans la lignée mère-fille, ma mère a toujours été extrêmement malheureuse, ma grand-mère aussi. Je sens que je suis celle qui doit couper et délivrer ma fille. Donc là, il y a un lien. Il y a un lien de magie, ce sont des femmes qui ont tout un certain potentiel et qui n'ont jamais pu l'exprimer. D'où aujourd'hui, moi, la nécessité d'exprimer mon potentiel dont j'ai parfaitement conscience. Mais je sais que je suis Ok. bâillonnée. Voilà. Donc, je vous ai dit, dans mon Le coup, on jardin, il y a un attend. petit coin secret. Oh, ben, puis, autant dire que quand je vais, ça va être dégagé, ça. Voilà. Alors, sur l'aspect santé. Donc j'ai de grosses, grosses allergies. Je suis née en vomissant. Je ne peux pas me nourrir de la nourriture des humains. Je fais des allergies à beaucoup de choses. C'est quelquefois extrêmement difficile parce que je peux être aussi réactive à un parfum. Si je suis en thérapie, quelqu'un a mis un parfum, je réagis très violemment. Donc ça, c'est chez moi, c'est extrêmement fort. Et là, j'ai trouvé que pour si je mets une bulle d'amour, j'arrive à calmer cette allergie, mais c'est vraiment invalidant, vraiment. Ma sphère ORL est Alors, particulièrement. quand Dis-moi. tu dis que tu ne peux pas te nourrir comme un humain, alors tu te nourris comment finalement? Je fais ce que je peux, c'est-à-dire qu'en fait, je suis végétarienne, je mange sans gluten, sans lactose, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Je veux dire, Ah j'ai oui. une façon de gérer les choses instinctive, si tu veux. Si je ne suis pas à mon corps dans ce qu'il me dit, si je fais des extras, là j'ai passé le week-end, j'ai fait quelques fantaisies, j'ai mangé du fromage, tu vois quelle fantaisie. J'ai eu une crise de colite tout le week-end, quoi. J'étais vraiment D'accord. mal tout le week-end. Donc Et je dois. dans cette alimentation, tu prends du plaisir à manger? Quand je mange végétarien, absolument oui. Quelquefois mon corps me dit, tiens, j'ai envie de fromage, là je me suis fait plaisir. J'ai fait une petite folie, entre guillemets, et je le paye. Et je t'avouerai que moi, me nourrir de prana, ça m'irait parfaitement, en fait, hein. Mais j'ai peur. J'ai peur parce que je ne suis pas très épaisse, donc je me dis, punaise, si je perds tout le peu que j'ai, je vais rester squelettique, quoi. Je suis pas encore. Si j'avais la parfaite confiance en moi, je mangerais prana, c'est sûr. D'accord. Ok. Voilà. Donc, je te disais qu'au niveau de la sphère ORL, je suis attaquée au niveau des yeux. Ça, c'est énorme. Je peux avoir les yeux hyper rouges d'un instant à l'autre, une réaction allergique. C'est très fort. Quand je sais que ça arrive au niveau des yeux, c'est qu'il se passe des choses autour de moi. Et en même temps, mes cheveux tombent. Donc, c'est vraiment, je te dis, la sphère ORL. Et j'ai des dents, ça a été une catastrophe et j'ai un implant dentaire. J'aimerais savoir au niveau de l'implant dentaire qui se situe,
C'est la dent numéro 16, donc c'est en haut à droite. Tu me suis ? Oui, alors implantaire, tu m'as dit en haut à droite. Ouais, c'est la dent numéro 16, c'est en haut à droite. 16. Oh, je ne connais pas les numéros de dents. Mon père était prothésiste. Donc c'est en haut à droite, de ce côté-là, quoi, par là. Enfin, ouais, façon, ouais, c'est ça, en haut à droite. Pas, hein. Oh oui, je m'en doute pas. Voilà, je t'ai parlé de l'implant au niveau du cœur. J'ai effectivement des palpitations cardiaques, ouais, des trucs. Hein, voilà. J'ai une couprose qui peut être aussi invalidante. Donc, réaction au niveau de la peau, j'ai une peau exacerbée, des réactions très, très fortes. D'accord. Donc, la couprose, voilà. C'est le visage, c'est ça, hein ? Ouais, visage, tout à fait. C'est, si tu veux, tu as le visage qui devient rouge et puis tu peux avoir des petits boutons, c'est très invalidant. Voilà, il y a une faiblesse au niveau du rein. Je soupçonne qu'il y ait des choses accrochées au niveau de mes reins. En acupuncture, il y a une faiblesse et du côté de ma mère, ils sont tous décédés du rein. Donc, à mon avis, il y a une accroche au niveau des reins. D'accord. Je soupçonne également des tortures gynécologiques. J'ai fait beaucoup de fausses couches et j'ai l'impression que le bas de mon corps ne m'appartient absolument pas. Donc là, je sais que mon énergie sexuelle est totalement bâillonnée. Je n'ai aucune libido, personne dans ma vie. C'est le désert total. Je le sais. Oh oui, d'accord. Ah oui, c'est intense. C'est intense. Je fais très peur aux hommes. Ils fuient comme des lapins. Voilà. Ok. Donc, on va voir ce qui se passe. Il y a un truc. Oui, il y a un truc. C'est pas normal. Oui. Non, c'est pas normal, c'est clair. J'ai une caractéristique physique. Je suis très grande, je suis 1m75 et j'ai des tout petits pieds rikiki. Je saute du 35, d'accord. Quand la fameuse personne est venue en 2007, j'ai déclenché une mycose de gros orteil côté gauche et j'ai senti une faille énergétique. Donc, je sais très bien que je suis bactériologiste, hein, donc je sais très bien qu'il y a eu un champignon qui s'est mis là. Et je sais que c'était dû à une faille et il y a toujours quelque chose à cet endroit-là. Ça traîne et ce n'est pas normal. Tu m'as dit que c'était à l'arrivée de quelqu'un, c'est ça que tu m'as dit ? Oui. En 2017, quand je t'ai dit qu'il y avait une personne qui était rentrée chez moi, qui avait bidouillé, L'histoire des gants, tu sais. Exactement. L'histoire des gants. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Voilà, et c'est très intéressant parce que cette personne porte le même prénom que moi et le deuxième même prénom. Donc, oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de très étrange. Voilà. Oui, je trouve. Et je terminerai par un état émotionnel qui, quand ça me prend, je suis dans une tristesse incroyable, comme si je me dépatouillais dans une purée de pois et que je ne pouvais pas m'en sortir. Alors, heureusement, j'ai une grande force intérieure et j'arrive toujours à m'en sortir. Mais quand je suis branchée sur cette énergie, c'est terrible. Ça peut durer une journée entière où je suis dans une purée de pois. Voilà. D'accord. Je termine sur l'aspect professionnel. Je l'ai un peu dit. Je sais que j'ai un potentiel inouï, en toute modestie. Hein. Je sais que j'ai suffisamment bossé pour le dire aujourd'hui. Un doctorat que je n'ai jamais pu utiliser. À chaque fois que j'ai postulé à des postes, on m'a dit « Vous êtes beaucoup trop brillante et asociale. » Ce n'est pas normal. Dans la thérapie, c'est pareil. Et depuis que je sais que j'ai la séance, mon cabinet se vide. Je n'ai plus un chat. Bon, bah c'est peut-être pour du renouveau. Hein. C'est impressionnant. Impressionnant, d'accord. Je veux dire. Et ce qui est, là, je mets carrément catastrophique. Il y a un lien avec. Alors, je sais qu'il y a un lien entre l'énergie sexuelle et l'énergie financière. Hein, c'est les mêmes énergies. C'est la mouise totale. D'accord. Pareil, chute financière terrible.
Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Bon, c'est logique, hein, puisque j'ai plus personne dans mon cabinet. Voilà, mais en même temps, par exemple, j'ai un chèque et la personne m'appelle en me disant « Ah, oh, ben, je me suis trompée, il faut que j'en fasse un autre. » J'ai des tas de signes qui me montrent que, voilà, c'est pas normal non plus. Tout ça, c'est Bon, bah. paradoxal. Voilà. Et donc, je terminerai en disant, j'ai la conscience absolue d'avoir une grande mission sur cette planète, d'avoir vraiment apporté des choses très fortes. Et aujourd'hui, c'est le moment. Et Bon. j'ai fait un gros travail sur moi depuis 30 ans. Je crois que tout l'aspect physique, émotionnel et tout ça, là, je suis au top. C'est peut-être un peu prétentieux parce qu'on évolue toujours. Mais je veux dire, j'ai un gros boulot derrière moi. La cerise sur le gâteau, c'est vous deux aujourd'hui, avec moi. Voilà. Merci. Ça fait plaisir de savoir que je suis une cerise sur un gâteau. Ah, c'est pas mal, Ah hein? ouais, on est deux cerises sur le gâteau, t'as entendu, Emmanuel? Voilà. Bon, formidable. Bon, je prends les compliments, c'est bien. Ça fait Bah, toujours du bien. écoute, hein? Oui, je suis Oui, d'accord. C'est valable pour toi, Emmanuel, hein? on a bien compris, on est deux cerises sur le Ah gâteau. Bon, eh bien, écoute, sur cette petite note d'humour, je vais te laisser maintenant couper ton micro. d'accord, à tout à l'heure. À tout de Séance. suite. Je suis là avec vous. À tout de suite. Oui. Maintenant, je compte de 1 à 3 et pendant que je compte, tu te diriges vers Corinne. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. Oui, elle est en face de moi. Comment la vois-tu? Alors déjà, avant de la voir, je l'ai ressentie. Et j'ai ressenti étrangement comme une reconnaissance, une grande envie de pleurer et un serrement au cœur. Et puis, telle que je la perçois là maintenant, il y a sa partie physique et un peu au-dessus, sa partie subliminale qui est de nature androgyne, puissante et qui regarde un petit peu avec curiosité le corps physique. Parce que le corps physique présente quelques difficultés à intégrer complètement la partie subliminale. Il y a des ajustements nécessaires à faire. Et c'est comme si la partie subliminale était beaucoup plus grande et puissante que la partie physique. Et il y a aussi des compressions tout autour de la partie subliminale, qui en fait se trouvent dans une posture de je ne peux pas intégrer complètement la partie physique, parce qu'il y a ces quelques ajustements à faire. Et j'ai cette pression tout autour de la partie subliminale, qui l'empêche en fait d'agir correctement, parce qu'elle se ressent comme en insécurité dans cette dimension. Okay. Très bien. Tu vois autre chose en ce qui concerne sa partie subliminale? Euh,
Elle est en lutte permanente, sa partie subliminale, contre ses forces qui l'oppressent, mais en même temps, elle reçoit de l'aide. Donc, elle est dans une sorte de bouillon énergétique dans lequel elle se débat, en fait, constamment. D'accord. Que vois-tu d'autre ? Si tu regardes sa partie... Pardon, oui, vas-y. Malgré tout, elle est en lien avec les autres parties d'elle-même. Et non seulement d'autres parties d'elle-même, mais aussi d'autres forces qui lui apportent l'aide nécessaire. Elle est en lien également avec Corinne ? Oui. Ok. Ok. Si tu regardes sa partie physique maintenant, comment la vois-tu ? Il y a des dysfonctionnements. Comme s'il y avait des éléments dans son physique qui n'étaient pas arrivés à maturité au niveau cellulaire. Et ça empêche le corps de fonctionner correctement dans la dimension et dans l'espace dans lequel il est censé évoluer. D'accord. Tu vois autre chose ? Ouais, il y a comme des... comment dire, comme des cellules trop jeunes ou qui n'ont pas pu arriver à maturité. D'accord. Okay. Comme s'il y avait eu des forces qui avaient appuyé sur ou exercé des pressions sur le développement du corps physique. Et ça limite certaines fonctions, notamment les fonctions d'adaptation, d'adaptabilité. D'accord, on ira voir ça. Vois-tu autre chose ? Malgré tout ce que je viens dénoncer, il y a une énorme puissance qui se dégage d'elle. Très bien. C'est bon pour toi ? Oui. Bon, alors nous allons procéder à notre connexion et protection. Donc, est-ce que tu es prête pour le protocole ? Oui. C'est parti. Alors, maintenant que tes protections et connexions sont réalisées, dis-moi quelle est ta fréquence ? Très bien. Alors, tu montes à 500 000, voire plus, si tu peux. C'est bon, j'y suis tout de suite. 500, est-ce que tu peux monter plus ? Oui. Vas-y, dis-moi combien tu t'arrêtes, tout en restant confortable. 750. Très bien. À présent, connecte-toi à moi. Et dis-moi combien tu me vois.
45 aussi. Ok. Alors, je m'aligne sur toi à 750. C'est fait. Très bien. À présent, connecte-toi sur Corinne. Oui. Elle me tient la main depuis tout à l'heure. D'accord. Bon, je pense qu'elle va nous accompagner depuis pour cette séance. Hein. Je vois qu'elle est bien décidée. Mais c'est parfait. Alors, identifie Corinne. Regarde son ADN éthérique. Vérifie qu'il s'agisse bien d'elle. Ah oui, c'est elle. Bon. Demande-lui pour la forme si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, bien sûr. Elle me tient la main. Elle me regarde dans les yeux. Et c'est... J'ai envie de pleurer, en fait. C'est bizarre. Mmh. Très bien. Ok. Alors, appelle son soi supérieur. Oui, il est là. Comment le vois-tu ? Il est bien au-dessus. Mais pour être présent à l'appel, il a envoyé comme un hologramme de lui-même. D'accord. Ah oui, c'est la première fois qu'on voit ça aussi. Ok. Il est en quelle dimension là ? 72e. Lui ou l'hologramme ? Lui. Et l'hologramme, il l'a descendu à combien ? Il n'y a aucune limite pour l'hologramme. Mmh. Ben oui. Il est en troisième dimension. Ok. Alors, est-ce que tu peux lui demander qu'est-ce qu'il sait de la situation de Corinne ? A-t-il des informations utiles pour l'aider ? Au cours de cette session. Le travail doit être fait dans l'adaptation à cette dimension dans laquelle son corps physique et ses corps subtils évoluent maintenant. Ce qui gêne l'expression de sa pleine puissance, c'est qu'il n'y a pas cette adaptation suffisante à cette dimension. Mmh, ça, on avait compris. Oui. Ok. Y a-t-il d'autres informations ? Il y a simplement comme un déclic, en quelque sorte, à effectuer. Parce qu'elle a en fait la réponse et le mode d'emploi déjà. Très bien. Ok. Bon, on va le remercier. Bien sûr, il reste avec nous. Maintenant, appelle son âme. Oui. Alors, comment la vois-tu ? Elle bouge sans arrêt. Mmh. C'est-à-dire qu'elle a du... Elle a du mal à rester. Qu'est-ce qui fait ça ? Elle ressent toutes les pressions qu'il y a autour. Et
Elle se sent pas à l'aise, en fait. D'accord. Ça devrait être mieux, mais là, elle se sent mal à l'aise et elle change d'endroit sans arrêt pour arriver à garder la connexion avec Corinne. Ok. Elle change de fréquence sans arrêt. Elle a quelque chose à nous dire sur la situation, de son point de vue à elle. Tant que les choses ne seront pas rétablies et qu'elle-même sera dans cette situation, Corinne ne pourra pas exprimer son plein potentiel. Ni ce pourquoi elle est venue. Bien sûr. Très bien. Bien sûr, elle reste avec nous, évidemment. Alors, ce que nous allons faire, on va aller au moment où Corinne a choisi son incarnation. Va à ce moment-là. Son incarnation en tant que Corinne. Son essence, elle est androgyne. Oui, ça, c'est ce que tu as vu, oui. Et il a fallu faire une division pour s'incarner dans une essence qu'elle a choisie de type féminin. Parce que cela lui a semblé plus adapté pour entrer plus facilement en communication avec les mondes subtils. Ok. Est-ce que c'est elle qui a choisi son incarnation ? Oui. Elle est seule au moment où elle le décide ou pas ? Ou elle est accompagnée ? Non, elle est seule. Elle est seule ? Demande-lui quelle est sa motivation de s'incarner là. L'ambition est assez grande. C'est de faire remonter les plans terrestres en vibration. Faire monter les fréquences terrestres. D'accord. Et comment compte-t-elle s'y prendre ? En agissant directement sur le vivant, parce que tout est lié. Donc en choisissant un canal d'action, cela interagit avec tous les autres canaux fréquentiels terrestres. D'accord. Et comment compte-t-elle s'y prendre pour ça ? Elle a choisi d'intervenir auprès des humains. Et de quelle manière elle veut intervenir auprès des humains ? Quel mode d'emploi elle a ? Quel mode d'outil ? Quel outil elle a choisi d'utiliser pour ça ? D'ouvrir la voie aux humains. D'ouvrir la voie aux humains qui sont capables de prendre cette voie-là et ils sont pas nombreux, mais il y en a de plus en plus. Ces éveils de conscience, ça forme comme un maillage autour de la Terre. Et elle est au carrefour, un des carrefours de ce maillage
d'éveil de conscience. Et elle y met beaucoup d'énergie. Même tellement d'énergie que son corps physique a du mal à le supporter. D'accord. Moi, je parlais de son corps physique une fois incarné. Comment compte-t-elle s'y prendre pour parvenir à ça ? Elle est en interaction avec des humains qui la contactent. Et il y a comme un transfert d'informations qui se fait d'un point de vue énergétique. Aussi par la parole, mais la parole est énergie aussi. Mmh. C'est comme si elle transmettait un fluide que je peux visualiser en fait. Et ce fluide, une fois transmis à un humain, cet humain à son tour va le transmettre à un autre humain, etc. D'accord. Un peu comme une contamination positive, c'est ça ? Oui. Ok. Très bien. Alors, donc on est au moment où elle choisit cette incarnation et elle va descendre dans cette incarnation. Donc nous avons vu qu'il y a des ajustements qui sont à faire dans cette incarnation. J'aimerais que tu ailles voir qu'est-ce qui s'est passé pour que ces ajustements n'aient pas eu lieu, qu'il y ait eu un petit peu ce défaut de, on va dire, de ce défaut d'incarnation. Parce que le corps humain n'est pas capable, en fait, d'intégrer la pleine puissance de son essence. Elle a été obligée de la diminuer et de n'en mettre qu'une partie dans le corps humain. D'accord. Pour que ce soit acceptable au niveau biologique. Ok. Et qu'est-ce qu'il manquerait pour que ce corps humain fonctionne malgré tout dans sa perfection ? Qu'elle procède aux ajustements au niveau physique. Et de quelle manière elle peut procéder à ces ajustements ? En se réconciliant avec l'élémental de son corps. Très bien. Et de quelle manière peut-elle se réconcilier ? Par l'intention. Et en créant le lien qui pour l'instant n'y est pas. Ok. Alors on va procéder à son incarnation. Elle va descendre dans son corps physique, dans le ventre de sa maternelle. Au moment de l'incarnation, elle est comme... je dis elle, mais c'est ni elle ni il, c'est juste son essence. Elle se retrouve comme face à un dilemme, en quelque sorte, parce que elle ne peut pas mettre toute son essence dans cette incarnation-là, dans ce corps physique-là. C'est pas possible au niveau de la biologie humaine, ni au niveau de l'esprit humain et de toute la structure humaine. Oui, mais ça, c'est propre à tous les humains. Tous les humains n'incarnent pas toute leur essence dans leur corps physique. Oui, mais là, c'est... Son essence est très puissante. D'accord. Alors, si elle procédait à ses ajustements et à ses... à recréer les liens avec l'élémental de son corps, est-ce que ça lui permettrait d'être plus intégré dans son corps ? Elle pourrait y intégrer un peu plus de son essence, oui. D'accord. Ok.
Alors, est-ce qu'il était dans le ventre maternel là? Oui. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle doit, on va dire, recréer des liens avec l'élémentaire de son corps? Oui. Alors qu'elle le fasse maintenant. Qu'elle prenne tout son temps pour créer ses liens, entrer en contact avec lui et prendre le temps d'apprécier sa présence. Elle le fait en fait au niveau des cellules souches. Très bien. Qu'elle prenne le temps de tisser tous les liens nécessaires, sans en négliger aucun, à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'elle le fait au moment de l'information et de la programmation des cellules souches. Très bien. Alors qu'elle fasse tout ce qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il fait au niveau de l'information et de la programmation? C'est en train de bouillonner, en fait. Mmh. En vitalité. Ben oui. Là, en fait, au niveau physique, c'en est au moment de... du commencement de la division des cellules. Très bien. C'est le moment parfait pour elle. Oui. C'est ce qui va lui permettre de résister à tout. Tout à fait. Ce qui lui donne la puissance. Oui. Parce qu'en fait, précédemment, elle n'en avait pas mis assez. Mmh. Il y avait une incomplétude. Oui. Dans le processus. Alors comme si... Maintenant, elle est dans la complétude. Comme si elle avait pensé que c'était suffisant. Comme si elle avait mésestimé, en quelque sorte, le milieu dans lequel elle allait arriver. Peut-être un léger empressement. Ou comme une mésestimation, une méconnaissance de la difficulté, mais de la... Des conditions humaines, c'est ça? Oui. Ok, donc maintenant qu'elle sait, elle reprocède méticuleusement à toutes ses connexions, ses reprogrammations. Oui. Et cette fois, en allant jusqu'au bout, en laissant et ne négligeant plus aucun détail. Qu'elle prenne le temps pour ça. On a tout notre temps. Il y a des étincelles d'énergie. Très bien. Qu'est-ce qui se passe avec l'élémental du corps maintenant? Là, le contact se fait. Parce qu'elle est arrivée dans un milieu tellement dense et sombre qu'il y a eu la coupure tout de suite avec l'élémental de son corps. Et oui, il n'y a pas eu le temps de se connecter, quoi. Et qu'elle lui envoie en même temps de l'énergie d'amour et de la lumière à l'élémental de son corps pour bien parfaire cette connexion. Et comme une complicité. Là, ça pulse en énergie, c'est incroyable. Tiens, elle me dit quand c'est bon, hein? Ah oui, c'est bon. Très bien. Alors maintenant qu'elle est dans cette biologie, elle a bien sûr un arbre généalogique puisqu'elle a un père et une mère. Je veux qu'elle regarde son arbre généalogique et qu'elle visite
tous les aspects de cet arbre qui ne lui conviennent pas, tout ce qu'elle peut éliminer, reprogrammer, transmuter, qu'elle fasse ce qu'il faut sur tous les plans, mental, physique, émotionnel, causal et autres, qu'elle visite tous les aspects de cet arbre, racines, troncs, branches, feuilles, etc. L'arbre généalogique, il est noir, comme s'il avait été plongé dans du pétrole, c'est noir et visqueux. Très bien. Alors, elle va trouver le rayon ou l'énergie pour transmuter tout ça en force de vie, en amour et en lumière. Elle est venue pour ça, c'est le moment. Déjà, elle-même, elle est boule de lumière puissante qu'elle fait grandir. Et à mesure qu'elle fait grandir sa boule d'énergie et de lumière, ça vient dissoudre cette sorte de pétrole noir et gluant, visqueux, et qui a une odeur aussi désagréable. Ça a une odeur écœurante. Mais en même temps, elle est venue pour ça aussi. C'est ça. Elle nous émet un bon coup de karcher énergétique, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un karcher de lumière. D'amour et de lumière. C'est un laser multidirectionnel d'amour et de lumière et de puissance. C'est extrêmement puissant. Alors, ça grandit, ça grandit. Alors, comme c'est une lignée qui semble être sensibilisée à la magie noire, qu'elle fasse ce qu'il faut pour nettoyer tout ça également. Toutes les pensées, toutes les convictions, tous les schémas mentaux, et également s'il y a des implants, s'il y a des programmations. Ça vient tout dissoudre instantanément parce que la magie noire, elle est liée à l'aspect visqueux de ce que j'appelle cette sorte de pétrole. Ah oui, bien sûr. C'est pas du pétrole, hein, c'est... Oui, c'est une énergie visqueuse, une énergie noire. C'est une matière collante. Noire et collante et gluante et odorante. Donc, elle transmute tout. Et à la place, elle pourrait même lui mettre un magnifique parfum. Un parfum de sang cru. En même temps, il y a son énergie dans toute la pièce où je suis. Très bien. Il y a un parfum. Il y a l'énergie du cœur qui s'est manifestée, qui s'est étendue. Jusqu'à moi et dans la pièce où je suis aussi. Parfait, prends le temps de la recevoir. Emplis toi de cette énergie. Ça ne peut que faire du bien. Il faut que je la stabilise. Fais ce qu'il faut. Et une odeur de rose et de violette.
C'est très subtil, c'est très léger. Et c'est cette puissance que je ressens aussi. C'est comme une sorte de d'exaltation douce. Comme s'il y a un cran au-dessus qui s'était mis en place. Tu me diras quand tu seras arrivé au bout. En fait, il y a une partie d'elle-même qui m'a pris par la main et qui m'a invité à monter une marche. J'espère que c'est de la joie. Je te laisse aller jusqu'au bout, si ça fait du bien. C'est libérateur. C'est de la joie de reconnaissance, en fait. Oui, je m'en suis douté. C'est la puissance de l'amour. Tu me diras quand c'est bon pour toi, quand c'est bon également pour l'arbre généalogique, quand on s'est arrivé jusqu'au bout du processus. L'arbre généalogique, il s'est entièrement transfiguré. Elle m'a invité à m'asseoir à côté d'elle. Très bien. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Alors maintenant, elle va s'intéresser à son ADN et elle va regarder toutes ses programmations, tous ses héritages donc, qui sont dans cet ADN inscrit et qui ne lui conviennent plus ou pas. Et elle va s'en occuper. Toutes les programmations, toutes les formes pensées, toutes les croyances, y compris les émotions qui vont avec et toutes les mémoires et empreintes physiques. Il faut qu'elle reprogramme entièrement son corps physique. C'est ça. Alors qu'elle le fasse sur tous les plans, physique et mental, émotionnel, causal. Elle visite tous les plans. Qu'elle prenne le temps de tout bien réajuster et tout bien reprogrammé. Sur son corps physique, il y a comme une sorte de suie. Une sorte de suie grise, noire. Elle me montre qu'elle... elle souffle dessus pour... la dissiper. Très bien. Pour avoir accès à l'intelligence primordiale des cellules. Elle peut même activer la puissance de ses atomes et aussi des particules et également
dans des molécules. Elle peut agir à tous ces niveaux-là, jusqu'à la cellule. Elle est en train de faire un nettoyage puissant. Ça va? Ça va C'est pas, bizarre, Olivia? c'est bizarre, ça le fait en même temps sur moi aussi. Bah oui, t'es en résonance. Eh bien, profites-en. Ça te fait un nettoyage. Si c'est pas trop fort pour toi, évidemment. Ça va? C'est bon. Tu me dis si c'est trop fort, hein? Parce que là, il y a un visuel impressionnant, mais c'est peut-être qu'une apparence. C'est bon, ça va. Très bien. Ça, ce qu'il y a, c'est que ça... Ça agit au-delà du physique. Ben oui. Ça agit en cascade, en fait, mais... Ben oui. L'action, elle se fait au-delà du corps physique. Bien sûr. Laisse faire, respire, respire, respire. Respire. Est-ce que ça va aller, Emmanuel? Oui, ça va. Bon. Le corps physique a du mal à supporter les nouvelles vibrations. Faut laisser faire. Faut laisser faire. Tout doucement. Tu peux réguler. Tu peux adoucir. Hein? Tu peux laisser faire le processus, mais en l'adoucissant. Faut que je le calme, parce que c'est... En douceur. C'est voilà. Violent. Voilà, que ça se fasse en douceur. Pas trop fort. Attends, j'ai des fourmis dans les mains. Laisse faire. Qu'est-ce que c'est ces fourmis? Le sang qui circule, l'énergie? Il faut que j'ouvre les yeux. Vas-y, ouvre tes yeux. Tous les yeux. Je compte à trois tous les yeux. Un, deux, trois. Tu peux te lever? Tu veux aller boire un coup? Tu veux aller boire quelque chose? J'ai des fourmis dans les mains. C'est pas grave, les fourmis. Qu'est-ce que c'était? J'ai des fourmis dans les mains. Oui. Il faut que je refasse circuler l'énergie dans tout mon corps physique. Ok. Est-ce que tu peux le faire? Il faut que tu m'aides. Ok. Alors coupe un instant. Tu coupes un instant avec... avec Corinne. Tu coupes avec elle et tu reviens que à toi. Faut que tu m'aides. Oui. Coupe avec Corinne. Coupe complètement. Allez. Oui, je coupe. Et tu reviens à toi. Tu reviens à toi, tu fermes tes yeux tranquillement, repositionne-toi tranquillement. Allez, les yeux. Allez, tu fais circuler les yeux maintenant. Ok. Allez. Allez. Avec ta respiration. Tu fais de ta respiration, tu regardes ta circulation et tu la fais circuler jusqu'au bout des doigts. Allez, prends ton temps, vas-y doucement. Fais-moi revenir, s'il te plaît. Oui, alors tu s'il te plaît. À trois, tu reviens. Un, deux, trois. Tu reviens. Tu vas te lever, tu vas marcher un petit peu. Je sens plus mes mains. Je sens plus mes mains, ça vibre dans mes mains. D'accord, mais c'est pas grave, c'est juste un ajustement. Ne t'inquiète pas. J'ai toutes mes mains qui vibrent très fort. Oui, c'est normal. Ne t'inquiète pas. Hein? Ne t'inquiète pas, respire. J'ai tout mon corps qui vibre extrêmement fort. C'est normal, c'est une adaptation. Donc tu vas descendre. Redescends l'énergie. Fais-moi redescendre en vibration, oui. S'il te plaît, ça vibre trop redescends. Fort. Redescends. Ok. Tu fermes tes yeux. Ferme tes yeux. Non, faut tu que redescends je ton énergie. Faut que je laisse ouvert. D'accord. Sinon, je pars trop redescends loin. Ton énergie. Tu redescends. Aide-moi. Redescends, redescends, redescends. Fais-moi redescendre par palier. Oui, redescends. Redescends. Tu Fais-moi descends. T'es à combien? T'es à 45, s'il te plaît. Bon, redescends à 45. Allez. Je redescends. Tu redescends à 45. 720, je redescends jusqu'à 700. Oui. Par palier. D'accord, 600. Maintenant, 600. 500. 500. 400. 400. 300. Commencez à 300 là maintenant. Je vibre toujours. Okay. 200. Il faut que je me 200. Lève. Oui.
Lève-toi, Je va me boire lève. un verre d'eau. Lève-toi, Il faut que lève-toi. je me lève. Oui, lève-toi. Lève-toi. Excuse-moi. Non, 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 bah Faut non, on que je ne va me pas lève. t'excuser. Prends le temps, prends le temps. Faut que je me Tu veux lève. boire un Deux. verre? Tu veux boire un 200. verre d'eau? 200? Je bois 200. Voilà. 100. Allez, 100. Tu trouves le palier idéal pour toi. Allez, tu descends tranquille. 50. 50. Allez, redescends 45. encore. Oui. Comment tu te sens maintenant? Est-ce que ça va mieux? Alors en fait, j'ai toutes mes mains qui vibrent très très fort jusqu'au coude, Oui. également les pieds jusqu'aux genoux. D'accord. Alors, trouve le moyen de tout régulariser. Trouve le moyen de régulariser l'énergie. Allez. Regarde ses fréquences, regarde ses vibrations et tu peux les diriger avec ton esprit. Allez, tu les fais descendre, tu les régules. Vas-y. Attends, je me mets. Il faut que je me mette debout. Vas-y. Allez. Ne ferme pas tes yeux. Concentre-toi sur les fréquences, sur la vibration. Et tu régules ton corps. Allez, Là, je suis à vas-y. 40. Très OK. bien. Tu peux descendre encore. S'il faut descendre, tu descends. 30. Voilà. Descends encore. 30, ça va. Il faut que Voilà. je régule Voilà. les flux Alors. d'énergie Allez, vas-y, tu dans mon corps régules. physique. Ok. Tu portes ton attention sur eux, uniquement sur eux, et tu vas les réguler par ton attention. Allez. Voilà. Respire. Tu te calmes totalement. Tu deviens de plus en plus paisible. Faut que Tu je regardes ta commence. circulation. Regarde tes fluides. Faut que je commence par les chakras. Les uns Vas-y. après les autres. Tu commences par le bas. Les Tu sept commences par le principaux. bas. Ok. Alors commence par le bas. Allez. Le premier. Rouge. Oui. Tu le régules. Je me rassois parce que j'ai le D'accord. vertige. Ça commence à aller mieux là? Oui, je commence à m'ancrer là, c'est bon. Très bien. Tu me diras quand c'est bon pour le chakra, le premier. Pour vos racines. Mets mes pieds au sol. Oui, vas-y, vas-y. Voilà. Je pose mes pieds au sol. Porte ton attention sur tes pieds. Voilà. Fais épouser tes racines. Regarde tes racines. Ancre tes racines. Allez, tu les fais descendre méticuleusement jusqu'au cœur de la terre. Je vais descendre mes racines. Voilà. Voilà, tu descends jusqu'au cœur de la terre. Fais-les bien descendre. Jusqu'au cœur de la terre. Tu les renforces. Ça Tu passe peux les par. sentir s'épaissir. Ça Elles passe par. passent Ça passe chacun par. des chakras. Par chaque chakra. Ça passe par chaque chakra qui sont Chaque à chakra souterrain. l'extérieur, de mon corps physique. Voilà. Ça descend au souterrain. Vas-y, prends le Jusqu'au cœur. temps. Jusqu'au Voilà. cœur de terre. Chacun des chakras. Ça descend. Allez, prends le temps. Ça vient s'ancrer. Je viens prendre racine. Jusqu'au cœur de Kaya. Très bien. Tu me dis quand tu y es. C'est bon. Voilà. Et maintenant, tu vas aspirer son énergie. Tu aspires son énergie comme avec une paille. Tu peux sentir cette énergie pulsante qui remonte le long de tes racines et qui va inonder ton corps. Tu peux les sentir remonter par tes pieds, par tes jambes, par ta taille.
ton bassin, ta poitrine. C'est remonté là jusque au chakra, racine rouge. Très bien. Comment tu te sens à présent ? Ancré à Gaïa. Très bien. Là, ça remonte jusqu'au sacra, chakra orange. Sacré. Orange. Très bien. Donc, regarde ce chakra, comment tu le vois ? Respire. Détends-toi. Comment tu vois ton chakra ? Les énergies de Gaïa qui remontent en moi petit à petit. Très bien. Prends le temps. Après, jaune. Eh bien, le plexus. L'ouverture solaire. Oui. La nourriture. La nourriture solaire. Je suis en train de me nourrir. Oui, prends le temps. À travers moi, c'est Corinne qui se nourrit. C'est comme un cordon ombilical qui passe de moi à elle. Elle se nourrit, elle est en train de se nourrir. Est-ce que c'est bon pour toi ? Oui, c'est correct. Est-ce que c'est bon pour toi ? D'accord, ok. Alors, je suis branchée sur elle. Très bien. Par cette sorte de cordon ombilical. Très bien. Qui passe de moi à elle. Et de elle à moi. Mais ça va aussi jusqu'à sa fille. Très bien. Et c'est de la nourriture solaire. C'est du prana qui passe à pleine puissance. Régule, fais attention, pas trop fort. Hein. Tu régules en même temps, hein. D'accord. Tu y vas tout doucement. Tout doucement. Tu doses. Tu prends la dose qui te convient. Hein. Tu la juste à toi. Ça vibre dans tout mon corps. Voilà, tu y vas tout doucement. Je sens son corps aussi à elle qui vibre. Et le corps de sa fille aussi qui vibre. Très bien. Je sens leur corps physique. Ok. Donc tu régules. Et tout leur corps subtil aussi. Je les sens qui vibrent. Très bien. Il faut que je régule. Vas-y, tu régules. Au niveau de mon corps physique. Vas-y. Il y a cette énergie solaire de prana qui passe, qui transmet de la nourriture primordiale. C'est primordial pour elle. C'était nécessaire de faire ça aujourd'hui. Très bien. C'est ce qui avait été convenu. Il faut seulement réguler. Il faut seulement que ça reste... C'est pour ça qu'on est là, aujourd'hui. C'est pour faire passer cette nourriture pranique. C'est prendre le temps. C'est pour ça. Reste confortable. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Attends, il faut que je boive pour pas que ça me brûle. Regarde, la bouteille d'eau à la main. L'eau et le feu, il faut gérer trouver l'eau l'équilibre. Et le feu, trouver l'équilibre. Tu peux y arriver ? Tu y arrives, tu peux. Oui. Non ? Ok. Tu peux et tu le fais. Il faut qu'elle boive aussi. Elle a bu.
L'information passe aussi par l'eau. Bien sûr. Les molécules d'eau. D'ailleurs, tu sais quoi? Tu vas programmer l'eau. Tu la connectes à son énergie primordiale. Vas-y, connecte l'eau à l'énergie primordiale. Oui, c'est fait. Voilà. L'eau que je bois, elle se charge en information en passant par mes cellules. Très bien. Et ça se transmet à Corinne. Et à sa fille, je suppose. Oh oui, elles sont en lien direct. Programme l'eau pour qu'elle adoucisse le processus également. Oui. Programme l'eau pour qu'elle adoucisse le processus. Mais tu peux le faire avec l'eau qui est déjà dans ton corps. Hein ? L'eau dans ton corps est déjà à l'écoute de ton information. Je peux encore. Ok. Qu'elle participe maintenant activement à réguler l'action du feu et de l'eau dans ton corps. Oui. Oh. C'est ok. Ça se régule, c'est ok. Ouais, voilà. Très bien. Non, laisse le temps. On dira quand ce sera vraiment ok. Hein ? Tu sens l'énergie circuler dans tes doigts maintenant ? Oui, c'est mieux. Donc, on a repris toutes ses circulations, sans ligne énergétique et autres. C'est mieux. Tu me diras quand tu te sentiras de continuer. Hein. Je sens l'eau qui coule dans chaque cellule de mon corps. Très bien. Elle s'informe. Et une fois qu'elle est informée, ça passe à Corinne. Parfait. Je lui transmets directement l'information. Qu'est-ce qui fait que tu trembles comme ça? C'est qu'il y a un équilibrage qui se fait. D'accord. Ok. Mais c'est normal. J'avais compris. Je veux seulement savoir. Très bien. Ah, ça semble se calmer. Oui. Prends tout ton temps. J'ai froid. Ouvre-toi. C'est bon, ça s'est régulé. L'eau et le feu se sont équilibrés. Parfait. Voilà. Le flux d'informations passe correctement. À travers moi, vers elle et sa fille. Parfait. C'est comme un flot continu. C'est un flot continu d'amour. Ça continue à passer. Oui. Tu me diras quand on pourra reprendre le processus. Prends ton temps. Ça passe maintenant au chakra cardiaque. Oui. C'est l'amour. C'est un flot d'amour. Ça passe directement à travers moi vers elle. Vers sa fille. Ça va ? Oui, c'est puissant. Ça se voit. Répand cet amour dans chacune des cellules de ton corps. Profites-en pour inonder
chacun de tes organes. J'ai une grande lumière. C'est bon, le circuit est établi. Très bien. Maintenant, ton chakra a réagi. Il faut aller jusqu'au bout. Oui. La communication est établie. Maintenant, entre elle et nous, après, j'ai le violet qui vient. Troisième œil. Oui, c'est du bleu. Bleu, violet. Indigo. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis assise à côté d'elle. Et de là, nous contemplons le monde. Avec bienveillance et amour et en étudiant ce qu'il y a à faire, il y a tellement à faire. Est-ce que tu vois par quel bout vous pouvez commencer? Nous sommes déjà en train de le faire. Est-ce que vous êtes en train d'infuser de l'amour à la Terre? Et aux consciences qui l'habitent. Oui. Ça passe à travers nous, simplement. C'est-à-dire que nous laissons passer à travers nous. Avec bienveillance, amour et compassion. L'énergie christique, quoi. Oui. Tu me diras quand c'est bon. C'est bon. Maintenant, tu vas monter au chakra coronal. J'y suis. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a du blanc, du bleu, de l'argenté, et des paillettes dorées. On est en train de flotter. Reste bien ancré, hein. Tu restes oui. Bien avec tes racines. Il faut que tu sois dans l'équilibre. Elle est en train de faire le circuit en même temps que moi, c'est-à-dire que elle est ancrée à Gaïa. Et en même temps que moi, elle a passé en revue tous ces centres d'énergie et de ce chakra coronal où nous sommes maintenant, elle est en train d'établir la connexion avec ces centres d'énergie supérieurs. Très bien.
Est-ce que sa fille fait la même chose? Oui. Elle est en arrière-plan et elle fait la même chose que sa maman. Elle prend modèle, en quelque sorte. Parfait. Comme si sa maman lui montre le mode d'emploi. Elle lui montre. Et sa fille me fait pareil. Grande puissance aussi. Parfait. Attends, je te demande une seconde. C'est bon. Alors, tu me diras quand ce sera bon, hein, qu'on puisse continuer le protocole. Je ressens beaucoup de puissance et de chaleur au-dessus de ma tête. Ouais, j'imagine. Ah, ça y est. L'équilibre est fait. Très bien. Parfait. Comment la vois-tu maintenant dans le ventre de son maman avec ce travail qui vient de se faire? Elle est complètement équilibrée, puissante, forte, lumineuse, en pleine conscience. Je suppose qu'elle a terminé avec son ADN. Oui. Bon. Alors, elle va envoyer de la force d'amour dans le ventre maternel et dans tout son entourage, comme pour préparer sa venue au monde. Sa puissance de lumière fait tout exploser. L'ombre recule devant sa lumière. Très bien. Elle vient au monde. Oui. Comment tu vois sa maman avec cette énergie? Elle est obligée d'adoucir la puissance de son énergie pour ne pas brûler le corps humain de sa mère qui la reçoit dans le monde physique. Très bien. Et son père, comment le vois-tu là? Elle atténue aussi sa puissance par rapport à lui pour ne pas le brûler. Très bien. Alors, c'est tellement puissant. Maintenant, elle va remonter sa ligne de temps et elle va reprogrammer chaque seconde de sa vie. Tout ce qu'elle a vécu en termes d'événements, de relations, de rencontres, de situations. Elle reprogramme tout à la lumière et à l'énergie de cette nouvelle conscience, de ce nouveau corps, de cet équilibrage, cette intégration. Tous les anciens modèles sont explosés, ils sont beaucoup plus trop étroit, étriqué, terne. Ah oui. Elle est dans sa pleine, elle est dans sa pleine lumière et sa pleine puissance. Tu me diras lorsqu'elle sera arrivée ici et maintenant.
Elle est là. Eh bien. Ok. Comment la vois-tu maintenant? Un soleil. Alors qu'elle demande maintenant à toutes les parties d'elle et cette partie qui a fait ce travail de s'intégrer totalement et pleinement dans sa biologie, dans ses cellules, dans tous ses systèmes et ses fonctions et ses organes, qu'elle l'incarne physiquement ici et maintenant, que tout soit incarné et ressenti. Ah, maintenant ça passe dans le corps physique. Voilà. Maintenant il a adapté le corps physique, ça s'intègre, ça passe. Elle vient s'installer dans son corps physique comme, tu sais, comme une main dans un gant. Oui, qui s'ajuste. Oui, exactement. Elle vient intégrer chaque partie de son corps physique jusqu'au bout des doigts. Elle vient remplir chaque espace, chaque cellule de son corps physique. Et à tous les endroits où il y a pu y avoir comme des manques ou des trous ou des fuites énergétiques, elle vient tout combler, tout réparer. Très bien. Alors justement, et je veux que tu regardes en même temps. Tout se fait à pleine puissance. C'est fou. C'est hallucinant. J'aimerais vérifier si elle avait un implant au cœur, est-ce qu'il est toujours là ou pas? Regarde. Normalement, ça m'étonnerait, mais... Il n'y a plus quand même. Rien du tout. Elle a tout fait sauter. Il n'y a plus rien du tout. D'accord. Hein. C'est juste une vérification. Hein. Il y avait un implant au cœur, oui. Il y avait. De toute façon, je vais prendre sa liste et on va regarder ensemble. Pendant que le travail continue, je prends sa liste. Et voilà, on va voir à peu près, pour que ce soit, quelles sont les informations. Donc, elle dit qu'elle était dans une famille à magie noire, donc c'est bien le cas. Enfin, on va dire dans... Oui, elle a choisi le plus difficile, le plus complexe, le plus sombre, parce que... À la mesure de sa puissance. Oui. Tout simplement. Pas faire les choses à moitié, quand même. On ne fait pas rouler une Porsche à la vitesse d'une deux chevaux. Hein. Elle a tout fait sauter, elle a tout fait exploser. Très bien. Ok. Bon. Elle est tombée à 18 mois, donc elle pensait que ça lui avait coupé donc, ses capacités. Est-ce que tu vois quelque chose là maintenant? Non. Tout va bien. Hein. Bon, c'est même presque pas la peine de faire la liste, mais bon, on va regarder quelques trucs par curiosité. Cette visite nocturne qu'elle a eue à 7 ans, il y a eu un prélèvement de sang qu'elle a accepté. Qu'est-ce que tu vois là? Elle a consenti par ignorance de sa partie physique, mais maintenant elle a la pleine conscience. Elle va dire quand même par prudence, qu'elle annule tous les pactes, les contrats, les consentements, les acceptations, etc. Totalement et définitivement, sur tous les plans, dans toutes les vies, dans toutes les dimensions. Elle annule elle tout. Reprend, voilà. Elle reprend sa souveraineté, son autonomie, sa liberté et sa puissance créatrice autonome. Elle a déjà repris tout ça. Ben oui, mais bon, c'est bien de le reformuler. On ne sait jamais. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe qu'elle a en cours des géographies, elle a vu le Machu Picchu et se sent une affinité particulière avec cet endroit. Qu'est-ce que tu peux prendre comme information là? C'est une aire d'atterrissage. Une prise de conscience. Oui. Et alors? C'est une aire d'atterrissage
De son peuple, mais quand je dis de son peuple, c'est simplement une incarnation qu'elle a eue, elle a choisi dans son essence de s'incarner ailleurs que sur Terre et ailleurs que humain. Et quelle forme elle a là? Et là-bas, c'est un lieu de contact et d'atterrissage. Va dans un des vaisseaux, dis-moi à quoi il ressemble et quel est son aspect réel dans cette forme de vie. Humanoïde, le visage avec des traits très fins, translucides, bleutés. Et d'où est-ce qu'ils viennent, ceux-là? D'où vient cette civilisation? Arcturius. Contact intéressant avec planète Terre. Ils sont dans quelle dimension là? 12e. Même en atterrissant sur Terre, ils sont encore dans la 12e? Ou ils ont descendu? Leur vaisseau permet de descendre jusqu'en 4e. Mais c'est une zone où il y a beaucoup d'interactions, de densité différente, ne peuvent pas y séjourner trop longtemps. Et qu'est-ce qu'ils viennent y faire là alors? C'est quoi leur objectif? Exploration. Pour y séjourner, il est nécessaire d'incarner un corps de type biologique humain, c'est ce qu'il a été observé. D'où la raison de Corinne dans ce corps humain? Oui. Ok. Et qu'est-ce qu'il confirme maintenant à travers ce corps humain qui est Corinne? C'était quoi l'objectif pour eux? Monter la conscience humaine, l'expanser en vue de la libération. Expansion de conscience humaine tel est le but. Pour la libération. Oui. Et oui, bien sûr. Une fois un certain seuil de conscience humaine atteint, il y aura comme une explosion soudaine et dissolution des forces sombres. Et passage à ce moment-là sur un autre plan. Une autre dimension. Oui. Ce qu'on appelle l'ascension terrestre. C'est ça.
Eh oui. Quel pourcentage de conscience humaine est nécessaire pour arriver à ce basculement? Tous les humains ne sont pas d'essence divine. Quel pourcentage tu vois qui en sont d'essence divine? %. Les autres sont comme des acteurs du décor de la pièce de théâtre humaine sur Terre. C'est ce qu'on appelle les portails organiques. Oui. Très bien. Et si ces 20% donc se connectent, si leur conscience s'ouvre, qu'est-ce qui se produit? Changement de plan et dissolution du plan actuel, car plus de raison d'exister. Et qu'advient-il de ces 80% de portails organiques? Dissolution. Dissolution de la Terre également. Enfin, de la Terre telle que nous la voyons, physiquement. Dissolution de ce plan-là en troisième dimension, qui est simplement un terrain d'expérimentation. Quand l'expérimentation est terminée, le terrain d'expérimentation en lui-même n'a plus lieu d'être. Alors, si tu vas dans le futur, au moment où cela se produit, va dans le futur, dans cette ligne de temps, comment est-ce que tu vois cette dissolution de la Terre? Comment tu la vois se produire? Avance dans un des scénarios futurs probables. Pour passer en quatrième et cinquième dimension, voire plus. Il y a une accélération du temps. Qui a déjà commencé d'ailleurs. Oui, ça va aller de plus en plus vite. Et alors, que se produit-il? Comme une sorte de Big Bang. Ça veut dire qu'elle peut imploser ou exploser? La partie 3D, oui. Et l'autre partie est déjà ailleurs. D'accord. Tu peux y mettre, y déterminer un temps approximatif d'un tel événement possible, en sachant bien sûr que c'est variable et que c'est une possibilité. Impossible, le temps terrestre est fabriqué et manipulé et ne correspond à rien. Ouais, c'est la matrice, c'est un système matriciel, artificiel. Ok. C'est Bon. une construction artificielle. En tout cas, ce n'est pas un événement qui arrive dans les 10 ans à venir, je suppose, hein, selon notre échelle de temps. Non. On en est loin, à mon avis. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? D'autres générations d'humains sont nécessaires avant cet événement. Est-ce que ça veut dire que de progressivement, les humains qui vont s'incarner avec une nouvelle conscience auront des corps de plus en plus éthérés? Est-ce que ça peut être ce genre de processus? Les nouveaux humains qui arrivent sur Terre de nature divine
ont une conscience de plus en plus large. Ça s'accélère. Les nouveaux enfants qui viennent, ça s'accélère. De plus en plus conscients, de plus en plus proches du divin. C'est pour ça qu'on les vaccine. Oui. C'est pour les freiner, les limiter. Ça ne sert à rien. Et non, ils sont trop forts. La vague de puissance divine est trop puissante. Elle est extrêmement puissante. Elle vient tout balayer. Très bien. Si des humains disparaissent sur le plan physique, d'autres encore plus conscients arrivent. L'ancien doit laisser venir le nouveau, laisser la place. Oui. Quoi que les anciens qui s'accrochent fassent, ça ne sert à rien. C'est inéluctable. C'est inéluctable. Très bien. Le processus est en cours. C'est le plan divin qui s'accomplit. Est-ce qu'on peut dire que c'est depuis les années 89 que cela est en train de se mettre en route, et même bien avant, mais est-ce que 89 est une date importante à cette nouvelle ère? Déjà quelques années avant, ça a commencé à s'ouvrir. Et dans les années 90-2000, il y a comme des vannes qui ont lâché, qui se sont ouvertes. Et là, l'eau circule à flot continu, tu sais, comme un barrage qui essaye de retenir l'eau, mais les vannes cèdent. Et maintenant, l'eau arrive et vient tout bousculer. J'aimerais savoir, dans ces années, il y a eu justement une canalisation de une présence qui s'appelait Crayon à travers l'Icarole. J'aimerais savoir si ce Crayon, si tu peux prendre des informations, qui se prétendait être le maître de l'énergie magnétique, de redresser la grille magnétique pour ouvrir ce champ de possibilités. Il a contribué à l'ouverture des vannes. C'est ça. Et si tu te connectes à Crayon, comment tu vois cet être? De l'énergie. Donc c'est ce qu'il appelle la comment il appelait ça? Il pure appelle énergie. Ça, oui. Pure énergie qui agit sur ces mécanismes d'ouverture de vannes. Au niveau énergétique. C'est un événement qu'il a appelé la convergence harmonique. Il fait partie du processus. Dans ce processus, il y a ceux qui sont sur Terre incarnés, dont fait partie Corinne, et d'autres qui font partie du processus non incarné et dont fait partie celui que l'on nomme Crayon. Dans quelle dimension tu le vois, Crayon? Initialement, quelle est sa dimension résidentielle? 125e. Oh. D'accord. Ok. Est-ce que tu le vois qu'il est encore en action aujourd'hui? Parce que là, apparemment, il s'est plus ou moins retiré, les ouvrages ont cessé. Qu'est-ce que tu vois qu'il est toujours en action aujourd'hui? En arrière-plan, en surveillance de la diffusion sur le plan terrestre de son enseignement. D'accord. Ok. Il y a eu un autre auteur aussi, que tu ne connais pas, je suppose, qui s'appelle Soria. Soria est une entité également
d'essence féminine qui est venu apporter des enseignements à travers un livre de Françoise Fauze, je crois, je ne sais plus. Est-ce que tu peux avoir des informations sur cet être-là ? Également être non incarné. Comment tu vois son énergie ? Qui agit dans le processus décrit précédemment. D'accord. Quel type d'énergie est venue apporter, elle, dans ce que tu dis là ? Ça agit à un autre niveau, comme pour réguler le soudain déversement d'informations qui peut faire des déchirures dans l'énergie, et ça vient en réparation des déchirures énergétiques. D'accord. Violette, je la vois violette. Ok, tu la vois dans quelle dimension elle ? Soixante-dix-huitième pour cette mission-là. D'accord, et elle vient d'où ? Cent deuxième. D'accord. Ok, c'était juste une parenthèse pour la reconnaissance. J'aime bien avoir des informations. À la même époque, il y avait des ouvrages qui elle sont sortis comme, aussi. Elle est comme en... Elle vient mêler son énergie. Je vois toujours comme cette sorte de barrage avec l'ouverture des vannes qui est très puissante. Toute l'eau qui arrive en masse, c'est de l'information. L'eau, c'est de l'information. C'est tellement puissant et violent, ça peut créer des déchirures. Et elle vient mélanger son énergie comme pour adoucir et réparer au milieu de ce... Et redresser aussi au milieu de ce flot d'informations qui arrive en désordre. Ok. Alors, à la même époque, il y a un autre ouvrage aussi qui paraissait, qui est des enseignements de l'archange Michaël. Alors, on sait quand on parle d'archange et d'ange au sein de la matrice, ce que c'est. Mais j'aimerais quand même voir ce que c'est ce dont tu parles. Connecte-toi à moi, à l'image que j'ai de ce livre et de ces enseignements, et dis-moi de qui il s'agit en vérité. C'est une énergie qui est à côté, qui se tient debout, à côté du barrage, et qui observe le processus du déversement d'informations, qui est comme une sorte de gardien au niveau du barrage qui vient en aide à ceux qui se noient. Pourquoi est-ce qu'il se fait appeler Archange Michaël, alors sachant que cette angéologie, archangéologie est une notion, on va dire, humaine et qui fait souvent partie de la matrice? C'est une copie, ce qu'on appelle l'angéologie, c'est une copie de ce qui existe. L'énergie qui se tient en surveillance du barrage et en aide à ceux qui se noient n'a pas de forme physique. C'est une énergie
C'est une énergie de secours. Mais ça n'a rien à voir avec la copie que nous montrent les religions. Qui font partie de la matrice. Ça détourne le regard des humains. Oui. J'aimerais revenir sur Crayon. Une chose importante qu'il conseillait aux êtres humains, c'était de demander l'implant neutre. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il entend par l'implant neutre et quel est l'effet de cette demande de l'implant neutre par un humain. Dès qu'une conscience arrive en incarnation dans la matrice, elle est comme marquée avec une connotation, une couleur qui permet de la repérer par les gardiens de la matrice. L'implant neutre permet de désactiver cette marque. C'est comme à l'heure au niveau de la surveillance de ce plan. Il y a bien un implant, mais qui ne peut pas être dirigé dans un sens ou dans un autre. Il est en quelque sorte incontrôlable. Tu parles de l'implant neutre ? Oui, c'est une façon de détourner l'implant mis par les gardiens de la matrice à chaque nouvelle incarnation. D'accord. Est-ce que ça n'agit que sur cet implant-là ou ça agit sur tous les implants qui peuvent être posés ultérieurement? Ça agit sur cet implant-là. D'accord. De repérage de type d'être humain à son arrivée dans la matrice. Et est-ce que ça fait partie des choses que nous enlevons, nous, dans notre travail, sans l'appeler un plan neutre ? Dans notre travail, nous n'agissons pas directement dessus, mais les effets du travail sont similaires. D'accord. Ok. Très bien, on va revenir à Corinne. Je trouve que ces informations sont importantes. Alors, comment vois-tu Corinne aujourd'hui, maintenant ? Un soleil puissant et lumineux. Très bien. Alors, si elle demande à l'élémental de son corps de visiter toute sa biologie, de réguler tous les systèmes, toutes les fonctions et les organes, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est déjà fait ou il y a besoin d'y venir ? Elle a installé son corps physique à la fréquence correcte. Très bien. Donc ça veut dire que tous les systèmes, les fonctions et les organes sont en train de se nettoyer, réguler, guérir, activer. Oui. Très bien. Ok. Alors, il y a autre chose dans sa liste. Il y a une vingtaine d'années, elle a eu comme un téléchargement par des êtres positifs qui sont venus comme lui enseigner pour changer d'espace-temps.
Voilà. Et ce qu'elle appelle passer du mode perdant, du mode gagnant au mode perdant. Qu'est-ce que tu peux avoir comme information là-dessus? Parce qu'elle aimerait retrouver ses capacités, elle aimerait retrouver ce mode d'emploi. Ce sont les êtres qui sont venus en reconnaissance sur le Machu Picchu. Oui, ça je m'en doutais. Mais comment est-ce qu'elle peut... pour lui rappeler ce qu'elle est. D'accord. Mais est-ce qu'elle peut utiliser ces informations, justement? Elles sont à disposition. Et comment peut-elle s'y prendre? C'est quoi le mode d'emploi pour elle? Et pourquoi pas pour nous? Il suffit qu'elle s'en serve. Jusqu'à présent, elle avait entreposé ces informations-là dans un placard et fermé à clé. Elle vient de faire sauter toutes les serrures. Il suffit qu'elle s'en serve. Et comment peut-elle s'en servir? De quelle manière? Ça va se présenter à elle, naturellement. C'est devant elle. D'accord. Et pour les autres humains qui ont envie d'utiliser ce mode, cette information, comment peuvent-ils s'y prendre? Elle a ce fonctionnement-là particulier dû à son type d'essence particulière. D'accord, ça ne concerne pas. Tous les humains ne sont pas sur le même modèle. D'accord. Ok. Donc elle aura les informations en temps voulu, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, elle avait à peu près une vingtaine d'années quand elle a fait un rêve très fort à propos de François d'Assise, qui lui a expliqué comment communiquer avec les animaux, etc. Qu'est-ce que tu peux avoir comme information là? Quand on parle de François d'Assise, est-ce qu'il s'agit vraiment de lui? Ou est-ce que c'est une présence qui a pris cette forme dans un objectif particulier? Elle a été en contact avec l'essence qui s'était incarnée dans celui que l'on nomme François d'Assise. Mmh. Qui lui a montré les possibilités qu'elle avait d'interagir avec les autres êtres vivants de ce plan terrestre. Car elle semblait les ignorer, et il a été comme nécessaire qu'elle reçoive cet enseignement. Très bien. Ok. Alors, une chose, pourquoi est-ce qu'elle est allergique au chat? Qu'est-ce qui fait qu'elle est allergique au chat? À quoi c'est dû? Il y a quelque part, il y avait en fait. Oui, c'est le passé. Une partie physique d'elle-même qui refusait la nature de sa propre essence, d'où la fermeture volontaire de son troisième œil quand elle était très jeune. D'accord. Même si elle l'attribuait à cette chute, en fait, c'était pas ça. C'est elle-même qui a créé la chute. D'accord. Dissonance. Et alors, cette allergie au chat, alors. Dissonance entre elle et elle. D'accord. Et ça provoquait donc une allergie au chat. Cette dissonance. Cette dissonance a provoqué l'accès à elle par des forces sombres. Et oui, c'était une faille. Ça a permis l'ouverture de failles et la création de faiblesses et aussi de dissonances au niveau de son corps physique.
L'allergie est la réaction au niveau physique de ce qui se passe sur le plan éthérique de son refus de ses capacités et de son refus de ce qu'est son essence. Eh oui. Bon, ok. Donc ça, c'était avant. Oui. Très bien. Alors en 2005, elle a subi des attaques de magie noire sur sa fille et sur elle-même. C'est parce qu'elle a laissé faire. Apparemment, ça venait des Antilles. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle a été beaucoup attaquée finalement? Parce qu'elle arrive dans une famille de magie noire, elle est attaquée par de la magie noire, il y a des gens qui font des trucs. Qu'est-ce qui fait qu'elle subissait ça? Avant l'incarnation, elle a choisi d'être là où elle est, dans ce type de milieu, dans ce type de famille. Et une fois incarnée, une partie d'elle avait comme refusé ce destin qui avait été choisi avant. Cela a créé des failles, des consentements, des fêlures, des brisures. Et cela a permis, parce qu'elle-même l'a permis, les attaques. Très bien. Bon, je suppose que ces brisures, fêlures et failles sont réparées. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus d'empreintes, de traces de mémoire, de tout ça? Non. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois que sa fille en est débarrassée aujourd'hui également? Oui, elle a tout compris. Parce que, en fait, elle est là avec nous, en arrière-plan. Oui, elle voit tout, elle entend tout, et elle fait tout sa maman. Ah oui. Très bien. Alors, en 2017, il y a une personne qui est rentrée chez elle, et qui, apparemment, des gants ont disparu à la suite de son oui, départ. C'est pour l'empêcher de rentrer dans son corps physique, comme on rentre dans un gant. Ah oui, d'accord. Ok. Et ces reptiliens qui sont introduits. C'était en quelque sorte la mainmise sur son corps physique. Tout est symbolique. Oui. Pour empêcher la connexion entre les deux. Et ces reptiliens qu'elle a vus la nuit, qui l'ont immobilisé, qui voulait lui poser un implant cardiaque. Lorsqu'elle a invoqué la Vierge et qu'ils sont partis, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elle s'est reliée à la lumière christique. Oui. L'implant a été posé à moitié et non activé. Ils ont fui d'accord. Comme brûlés. D'accord. Est-ce qu'il en reste la résidue de cet implant dans son cœur? Non, elle a tout fait sauter. Juste une vérification, oui. Très bien. Donc, il n'y a pas de Vierge qui est apparue lorsqu'elle a appelé la Vierge. C'est l'énergie christique, simplement. Oui. Elle a, en tant qu'humaine, comme tous les humains, il peut y avoir parfois le besoin d'un support visuel. Oui. C'est ce qui a été le cas pour elle. Mais c'était bien l'énergie de nature christique. Alors, qu'est-ce qui fait que des personnes invoquent la Vierge ou le Christ et qui sont des reptiliens qui se présentent ou d'autres espèces prédatrices? Ils ne sont pas de même nature que Corinne. C'est une question de fréquence et de lumière, c'est ça? Oui. D'accord. C'était pour que ce soit entendu, hein? Très bien. Alors, le lien qu'elle a très fort avec sa fille et son fils, mais surtout sa fille, elle aimerait savoir d'où vient ce lien qui est très fort avec elle. Elles sont de la même essence. Ah. Est-ce qu'elle a été dans un des vaisseaux aussi qu'on a vu au Machu Picchu? Oui. D'accord. Elle est venue en solidarité avec sa mère, c'est ça, pour œuvrer dans ce monde? En décalé pour continuer la suite. Très bien. Parce que
parce que l'incarnation biologique humaine est très courte. Bon. Il y a beaucoup à faire et encore plus dans les années à venir. Elle est venue relayer alors. Une incarnation humaine ne suffit pas. Ouais, c'est très court. Hein, dans le... Alors, autre chose. Pourquoi est-ce qu'elle a autant de difficultés à en terminer avec son mari? Apparemment, elle veut terminer cette relation et elle a du mal à la terminer. Qu'est-ce qui se passe? On va dire qu'est-ce qui se passait, mais on va le dire dans le présent. Parce qu'elle consent à ce que ça dure. Pourquoi est-ce qu'elle consent? À quoi est-ce qu'elle est accrochée? À quoi est-ce qu'elle est peut-être elle reste accrochée à ce qu'elle connaît. La peur de l'inconnu? C'est ça, la peur de l'inconnu et le refus, en quelque sorte, de sa véritable essence. Alors, est-ce que dans cette nouvelle ligne d'énergie, cette nouvelle Corinne... Il est relégué au loin. Est-ce que cette peur est toujours là? Non, lui, il est relégué loin, très loin. D'accord. En ce qui concerne Corinne, est-ce que tu vois que cette peur est encore là quelque part? Non. Plus rien, hein? D'accord. Il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus rien. Est-ce que tu vois des liens d'attachement? Non, plus du tout. Elle est lumière solaire. Très bien. Il y en avait avant? Avant, oui. C'était ça le problème, les liens d'attachement? Oui, il y avait des liens noirs d'attachement. Et la peur de l'inconnu? Oui. Ça, c'était avant. Elle avait comme une peur de sauter dans le vide et elle se retenait à un niveau inconscient ou connu, même si le connu n'est pas souhaitable ni acceptable. D'accord, elle s'accrochait à lui comme à une bouée, c'est ça? Oui. Ah, ok, maintenant il n'y en a plus besoin? Non. Parfait. Alors, il va y avoir du changement. Alors, sa mère a eu un enfant avant elle, qui est parti, qui aurait pu s'appeler Alain. Elle pense qu'elle était cet Alain qui voulait s'incarner. Qu'est-ce que tu as des informations, toi? Il y a eu un premier essai d'incarnation raté. C'était elle? Oui. C'était ce fameux Alain? Oui, mais le deuxième essai a été en tant qu'énergie féminine plus adaptée. C'est parce que c'était une énergie masculine que ça n'allait pas? Trop faible. D'accord, pour supporter son essence? Oui. On sait que le féminin est plus fort, c'est ça? Exact. Bon, tant pis pour l'espèce masculine. Hein. Mais si, il faut développer son féminin. C'est ça la solution pour l'homme? Pour le masculin, deux, c'est de développer son féminin? Les deux doivent être en équilibre. Très bien. Il ne faut pas faire de généralité. Ça la concerne, elle, précisément. Ce qui s'est passé pour elle, ça la concerne, elle. Par rapport à son type d'essence à elle. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Non, mais je sais bien. Est-ce que tu vois qu'elle est équilibrée jusqu'au moment? La voit-elle équilibrée dans là, ici? Ou est-ce qu'elle la voit purement d'essence que féminine? Il y a des coupures dans le son, c'est pas clair. Ah, j'entends pas. Tu m'entends pas, là? Peux-tu répéter? Ah, oui. Est-ce que tu m'entends là? Oui. Tu m'entends. Alors, je posais la question de savoir si elle est équilibrée dans son masculin féminin. Elle est tellement bien équilibrée qu'elle n'a pas besoin de l'homme. Voilà. Bon. Ok.
Mais sans parler de besoin, ça peut être. Non, c'est pas du tout dans son énergie. Elle n'a pas besoin de ce que l'on appelle la complémentarité. Mais elle peut rencontrer quelqu'un qui soit similaire à elle en Oui, énergie. qu'il n'y ait pas trop de décalage, bien sûr. Voilà, comme je dis, ça ne se base pas sur le besoin. C'est ça. Ça se Juste base sur sur le partenariat le partenariat, et non pas la complémentarité. le plaisir et la sérénité. Très bien. Donc c'est quand même possible pour elle alors. Oui. Parfait. Sans les aliénations, évidemment. Alors, la lignée mère-fille, donc il y avait des liens de magie. Bon, est-ce que tu peux le confirmer qu'il y avait ça, des liens de magie dans la lignée des femmes, on va dire, notamment mère-fille? Là, il n'y a plus de magie du tout, là. Oui, c'est terminé, hein. D'accord. Les grosses allergies qu'elle a, c'est toujours la même chose, c'est par rapport à ses réactivités qu'elle a au parfum, intolérance alimentaire. Est-ce que tu vois que. L'élémental du corps n'était pas à la bonne fréquence. Est-ce que ça veut dire qu'elle aura un éventail de nourriture plus étendu maintenant? La nature de son essence fait que elle ne peut pas se nourrir comme la plupart des êtres humains. C'est normal. Est-ce que la nourriture pranique serait plus adaptée à elle? Uniquement pranique. Pour rester en contact avec ce qu'elle veut œuvrer et mettre en place avec les autres humains, elle doit garder de la nourriture physique à ingérer pour rester en contact avec les autres humains. Tu veux dire pour garder un corps physique, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais pour être énergétiquement en lien et garder la compréhension des autres humains. D'accord. Ok. Donc une nourriture essentiellement végétarienne ou végétalienne, comment tu peux dire? La plus légère possible en vibration. Très bien. Crue, vivante. Crue et vivante. Parfait. Alors autre chose, elle se sent attaquée aux yeux, qui deviennent rouges, qui a des allergies. Qu'est-ce que tu peux voir? Qu'est-ce que c'était ça? Les attaques qu'elle avait permis, de par cette sorte de combat intérieur, de refus de sa propre essence. Ok, c'était encore une conséquence. Elle avait comme diminué elle-même son corps physique. Elle avait diminué elle-même les capacités d'adaptation de son corps physique et ouvert la porte aux attaques. Très bien. Est-ce que son élémental peut lui envoyer de l'énergie dans ses yeux pour aider à plus mieux régulariser tout ça? Oui, elle le fait. Très bien. Des cheveux qui tombaient également. Regarde à quoi c'est dû. C'est lié. Alors qu'elle fasse la même chose.
qu'elle envoie de la force de vie pour revitaliser tout ça. Elle envoie de la force de vie, en fait, dans toutes les parties de son corps physique. Oui. Alors, autre chose. Elle a un implant dentaire en haut, donc à droite. Est-ce que tu peux voir cet implant dentaire et tu peux me dire quelle action il a? Est-ce qu'il crée une disharmonie? Il y a un trou au niveau énergétique. Oui. Mais elle le comble, en fait. Ben oui. Elle est en train de le combler? Oui, elle l'a comblé, en fait, déjà tout à l'heure. D'accord. Est-ce qu'elle a des reconnexions à faire aussi au niveau de ses dents? Mais tout s'est fait en même temps, tout à l'heure. Ah bon, il n'y a plus rien à faire, alors. Très bien. Très bien. Alors, cette coupe rose, donc on parlait de la coupe rose invalidante, l'enregistrement s'est arrêté subitement, je me demande pourquoi. Donc cette coupe rose invalidante, donc tu me dis que c'était, tu peux répéter? Une inadaptation du corps physique à l'incarnation de cette essence particulière. Toujours la même origine, quoi. Oui. Ok. Est-ce que maintenant tu vois que c'est régularisé? Elle a installé son corps physique sur une autre fréquence. Donc ça va aller mieux? Oui. Ok. Alors autre chose, une faiblesse des reins. Elle se demande si quelque chose est accroché et elle a observé que dans sa famille, il y a eu des décès justement par là. Qu'est-ce que tu peux voir, toi, dans ses reins? En tout cas, dans l'ancienne ligne de temps, qu'est-ce que tu voyais? C'est une faiblesse de l'arbre généalogique qui permet de pomper l'énergie vitale plus facilement. Et aujourd'hui, c'est bien effacé dans l'arbre et dans sa biologie? Elle a tout effacé, tout transmuté, aussi bien sur elle que sur l'arbre généalogique. Très bien. C'est une simple vérification. Alors, elle a aussi des faiblesses au niveau gynécologique. Et comme elle dit, elle a comme un désert de désir sexuel. D'où ça vient, ça? Elle a consenti à se faire aspirer son énergie sexuelle. Bon, c'est terminé maintenant. Le consentement a été annulé. Elle a tout annulé. Très bien. Et maintenant, si tu regardes son côté gynécologique, son côté sexuel et énergétique, comment tu vois? L'énergie sexuelle est puissante. Très bien. Est-ce que tu vois un réveil de sa libido? Oui. Bon. On ne va pas entrer dans le détail. Ok. Alors, autre chose. Elle fait 1m75 et elle dit qu'elle a tout petit pied. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire du fait qu'elle a ses petits pieds déjà par rapport à ce corps qui est grand? D'où ça vient, ça? Le refus d'incarnation? Manque d'ancrage? Qu'est-ce que tu vois? Elle a marqué dans son corps physique sa grande et immense énergie sur un support petit qu'est le corps physique et que là sont ses pieds. Ah oui, d'accord. C'est comme si lors du développement des cellules physiques, lors de la croissance, c'était inscrit dans la forme de son corps physique ce qui se passe sur le plan énergétique. C'est-à-dire cette sensation qu'elle avait de
Comment vais-je faire pour m'incarner dans un corps humain aussi petit, aussi étriqué? Et ça, c'est venu marquer en quelque sorte la forme de son corps physique. Et surtout de ses pieds. Un grand corps sur de petits pieds. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a des mycoses aux orteils au côté gauche? Ça correspond toujours à ce qui s'est passé. Elle a laissé par consentement la faille énergétique s'ouvrir et ça s'est marqué, ça s'est manifesté sur le plan physique de cette façon-là. Ok. Est-ce que l'élémental de son corps peut envoyer spécifiquement de l'énergie à l'endroit de ses mycoses pour aider à la résorption? C'est ce qu'elle fait. D'accord. Très bien. C'est bon. Parfait. Alors, autre chose. Elle éprouve parfois une tristesse très profonde. D'où est-ce que ça vient, cette tristesse? Regarde. Elle ressent en elle-même toute la douleur du monde. Et elle savait déjà que ça allait être comme ça. Mais par compassion, elle n'a pu s'empêcher de vouloir ressentir. Elle n'a pu s'empêcher de vouloir souffrir avec compassion, souffrir avec. Est-ce que c'est lié à des croyances de vouloir souffrir? Oui, parce que elle s'est comme engluée dedans. Et ensuite, difficulté pour remonter. Oui, c'est la croyance en la rédemption par la souffrance, c'est ça? Le rachat oui, du monde? C'est un peu ça. Comme Jésus, enfin ce qu'on a collé sur le dos de Jésus, c'est ça? En quelque sorte. Voilà. Bon, est-ce qu'elle a encore cette programmation quelque part? Si tu vois son corps mental maintenant, est-ce que tu vois qu'elle a encore cette programmation? Non. Cette bon. Non, elle a tout enlevé. Je vérifie. Très bien. Alors, au niveau professionnel, donc, elle a un doctorat qu'elle n'a jamais pu utiliser professionnellement. Enfin, il y a plein de choses qui font que elle a toujours été freinée. Qu'est-ce qui se passait là? Elle a bloqué elle-même la manifestation sur le plan physique, aussi bien dans son corps physique avec ses limites et ses intolérances et ses failles. Et elle bloque aussi les manifestations dans le physique, dans sa vie. Comment s'est-elle prise pour qu'elle ait l'information? De quelle manière elle a bloqué elle-même cela? C'est des mécanismes qui se mettent en place au niveau inconscient. D'accord. Est-ce que ces mécanismes au niveau inconscient sont encore là? Non, ils ont disparu. Très bien. Ok. Elle a tout illuminé par son soleil. Parfait. Donc, qu'est-ce qui fait que depuis le projet de cette séance, son cabinet est désert, qu'il n'y a plus de consultations, plus de clients? Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en doute, mais bon. Une partie d'elle était comme transie de peur, immobile, et se sentait menacée. Et à la fois envie et à la fois peur
paralysante. Et du coup, ça a tout bloqué. D'accord. Et cette paralysie, en quelque sorte, a été comme récupérée et bloquée par des forces sombres. Mais quelle était cette peur ? Elle avait peur de quoi, en fait, là ? Cette partie d'elle ? De sauter dans le vide. De lâcher le connu. Oui. D'accord. Alors, est-ce que maintenant elle va prendre du plaisir à sauter dans le vide ? Elle vole. Très bien. Donc, bien sûr, financièrement, c'est une catastrophe. Donc, tout est inhérent, hein, bien sûr. Donc, tu vois quelque chose sur le plan financier ? D'autres choses à. Elle a lâché définitivement toutes ses peurs, toutes ses retenues. Et l'énergie coule à flot. Bon. Très bien. Bon, le dernier point maintenant. Elle dit qu'elle a conscience absolue d'avoir une grande mission sur Terre. Je pense que maintenant c'est clair pour elle. Tu as autre chose à rajouter ? Elle sait très bien ce qu'elle doit faire. Oui. Je pense qu'elle a les informations maintenant. Oui. Très bien. Alors, à ce stade, est-ce qu'il est nécessaire d'effacer l'ancienne ligne de temps ? Est-ce que tu vois une ligne de temps à effacer ? Parce que là, on a fait un processus évolutif. Je ne vois pas de nouvelle ligne de temps. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Elle a tout brisé, tout fait exploser, tout éliminé. Elle a créé elle-même sa vie, son destin. Elle est maître de toute sa vie. Très bien. J'aimerais, pour terminer ça, j'aimerais que tu regardes son numéro d'INSEE. Je suppose qu'elle ne l'a pas fait. Il n'y a plus rien. Là aussi, ça a explosé aussi. Elle a une énergie tellement puissante. Il n'y a plus rien. D'accord. Bon, j'ai plus rien à faire alors. Bon, non. Très bien. Ok. Alors, tu vas appeler son soi supérieur. Oui. Alors, demande-lui qu'est-ce qu'il pense de ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire ? Elle a fait ce qu'elle devait faire. Depuis longtemps déjà, elle devait le faire. C'est fait. Bon. Très bien. Il a un message pour elle en particulier ? Maintenant, elle peut s'expanser. Elle peut œuvrer maintenant à pleine puissance. Bon, eh ben, ça va déménager. Oui. Ok, alors appelle son âme maintenant. On le remercie, bien sûr. Comment la vois-tu ? Calme, soulagée, sereine. Prête à œuvrer. Allons-y. Très bien. Elle a un message particulier à Corinne ? Elle attendait que ça. Elle attendait que Corinne fasse ce travail-là. Maintenant, c'est bon, on peut y aller. Très bien. On va le remercier. Et puis, nous allons maintenant procéder. On va regarder l'ADN de Corinne. Regarde son ADN et dis-moi combien tu vois de brins connectés.
20. Carrément. D'accord. Est-ce qu'ils sont tous connectés là? Ils sont équilibrés et connectés. Est-ce qu'elle peut en connecter d'autres? Ça suffit. Ça a été fait au cours de cette séance ou c'était déjà connecté? C'était déjà installé. Et elle les a connectés. Combien étaient connectés avant la séance? 12. D'accord. Et là, les 20 sont tous connectés. Oui. Qu'est-ce que tu vois que ça produit maintenant pour elle, le fait de cette connexion? Qu'est-ce que ça va changer pour elle dans son futur? Ça lui permet de travailler correctement. Elle a besoin d'avoir à ses dispositions ses pleins pouvoirs. Maintenant, elle les a. Bon. Ben, c'est une bonne nouvelle. Ok. Alors maintenant, je veux que tu regardes son domicile. Dis-moi comment tu vois son espace de vie. Il est sur sa propre fréquence. D'accord. C'est-à-dire que tout s'est installé en même temps. D'accord. Donc pas de portail, pas de tunnel, pas d'ouverture. Non, en même temps que elle a fait le travail pour elle, ça l'a fait aussi pour tout, pour son lieu de vie, pour tout. D'accord. Si on lui fait installer des fleurs de vie et ça fait gadget par rapport à elle son énergie... Elle n'a pas besoin de tout ça, elle n'a pas besoin de tout ça. Je m'en doutais, mais bon. Ok. Le diamant sur le compteur non plus? Non. Non plus, hein. Bon, alors on passe. Très bien. Alors, eh bien écoute, on va procéder au retour. Hein? Il y a autre chose que je n'ai pas fait que, à part la douche? Il n'y a pas besoin. Pas besoin de quoi? De la douche? Non. Non plus? Non. Ah bon. Retour direct? Mais oui, c'est un plein soleil. Oui, mais bon, écoutez, je ne suis pas habitué. Hein. Bon, alors. Tu vas. Est-ce qu'il y a besoin de refaire tes racines, toi? Pour te réancrer? Je regarde. Non, c'est bon. Très bien. Est-ce qu'il y a besoin de te régénérer? Non. Bon, t'as besoin de rien non plus, toi. Bon, ok. Alors, est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors, nous allons procéder au retour. Là, il y en a besoin. Oui. Ok. Alors c'est parti. Je vais ouvrir tranquillement les yeux. Wow. Coucou Emmanuel. Quel voyage. Wow, c'était costaud là. Wow. Comment tu te sens là? Ça va. Ouais. T'es pas trop secoué? Non, ça va. J'ai le corps qui est revenu à la normale. On va dire non. Hein. C'était... Ouf. Quelle expérience. Bon, Corinne, si tu veux bien mettre le son. Je suis là avec vous. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? Raconte-nous. C'était merveilleux. Absolument merveilleux. J'ai tout vécu sur tous les plans. J'étais présente à chaque instant. Je l'ai vécu vraiment intensément et j'ai vraiment senti tout ce que tu sentais, Emmanuel. La présence de ma fille à mes côtés, à nos côtés, et comme je le pensais dès le début de la séance, c'était vraiment une réunion qui avait eu lieu sur d'autres plans et c'était nécessaire et j'ai la sensation profonde que ça faisait partie justement de cet espace qui était le mien dans cette incarnation. Et j'ai toujours su depuis que je suis toute petite qu'à un moment donné, tout s'ouvrirait et ça devait se faire en votre compagnie. Et je savais aussi que toutes les personnes qui m'aideraient en cela recevraient une boule d'amour et de lumière.
Et c'est ce que tu as reçu, Emmanuel, toi aussi, bien sûr, Pascal. Voilà. Oui, ça m'a passé. Désolée pour ton confort. Ah non, mais... Et oui. Ah, Ça. c'était pour un bien. Hein. C'est vrai, mais c'est très fort et ça correspond un peu à mon quotidien. C'est que parfois, c'est difficile aux personnes d'être à côté de moi. Je comprends mieux maintenant pourquoi. Voilà. C'est pour ça que l'homme qui va t'accompagner, il faut qu'il soit dans ton énergie, sinon ça va pas aller, hein. C'est tout à fait ça. Je ne peux pas faire autrement. C'est normal, c'est ta nature. Voilà. Oui, ouais, comme tu dis, c'est normal, c'est ma nature. Il faut que j'arrête de me cacher là-dessous parce que je ne pouvais plus, quoi, en fait. Ouais, Et mais ça, c'était avant. voilà, et c'était avant. Et tout ce que vous avez dit, c'est. Enfin, je ne pouvais que. J'ai écrit, j'ai vécu, je crois que c'est un moment gravé qui est inoubliable et qui va me permettre de prendre mon envol. Et je sais ce que j'ai à faire, comme tu as dit, Emmanuel. Oui, je sais ce que j'ai à faire, c'est clair. Oui, c'est sûr. Bon, super. Donc, merci sur le plan humain. Merci sur tous les autres plans. Là, je me sens tellement connectée que je sens que l'autre côté, ils sont tous là à faire ça en disant, ouais, une victoire! Donc voilà, je laisse ton Super. pétiller et Bon. voilà, c'est le début d'une nouvelle aventure pour toute l'humanité. C'est un peu pompeux, ça a l'air pompeux Non, sur le non, mais plan non, mais humain, non, bah, non, non, je pense que mais tu as raison. malgré tout, voilà, Faut je suis comme ça. l'assumer, faut Oui, l'assumer, c'est c'est vrai, ça, hein. c'est ce que j'ai encore. Il faut Voilà. que je faut Voilà. Mais assumer, tu as raison de. c'est ce que je ressens aussi, hein, ce que tu viens de dire. Oh. C'est Tu ça. vois? Oui. Après, peu importe les regards extérieurs hein, Ouais. qui peuvent se trouver offusqués par ce genre de propos, mais Oui, voilà, non, c'est c'est pas ton problème, hein. Toi, c'est faut l'assumer complètement et peu maintenant, faut importe l'assumer. que les gens puissent comprendre ou non, c'est pas de ta responsabilité. Hein? Tu as tout à fait raison. Je Voilà. suis tout à fait d'accord Donc, avec ça. voilà. Ouais. Youpi. Youpi, youpi. Alors, Merci bien sûr, je infiniment. t'inviterai à revoir ta vidéo, hein, à la revivre pour faciliter l'intégration, parce que voilà, tu sais bien qu'une intégration se fait progressivement. Hein. Il y a des choses qui peuvent se manifester tout de suite et puis d'autres qui demandent du temps. La biologie a besoin de son rythme aussi, C'est vrai. et d'autres parties de C'est vrai. toi. Voilà. Donc, on va rester en contact et j'espère que tu auras des nouvelles hein, dans Ah les temps bah. à venir, comment ça évolue, comment tu vis cette Bien sûr. intégration, si tu as des questions, enfin, voilà. Hein. C'est sûr. J'y manquerai pas. J'y manquerai pas. De toute façon, on est connectés et je communiquerai avec grand plaisir. C'est évident, bien sûr. Sera partagé, super. Et la dernière question que je vais te poser, c'est est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit partagée? Alors, c'est incroyable parce que mes enfants m'avaient dit, Maman, ce que tu fais là, c'est pas top, on n'est pas OK avec ça. Et bien sûr, j'ai été dans le respect profond, je le suis toujours. Hein. Mais malgré tout, j'ai la sensation que ce qu'on a vécu là, tous les trois, m'appartient, vous appartient, mais appartient aussi à l'humanité. Et j'ai un lien très fort avec l'humanité que j'aime par-dessus tout. Et quand Emmanuel disait que je savais ce que j'avais à faire, j'adore faire des conférences, j'adore parler, enfin vous le savez, hein. Vous l'avez remarqué, Ça se j'ai voit. Hein. l'herbe facile, l'écriture facile. Donc je ne me sens pas à bâillonner ça. Par contre, par respect vis-à-vis donc de mes enfants, je te demanderai simplement de flouter. Flouter, d'accord. Comme ça, au moins, ils verront pas maman de l'autre côté, parce que ce côté-là, ils n'avaient pas forcément envie de le voir. Mais moi, maintenant, je l'assume avec plaisir et pour le bien de tous. C'est dans ce sens-là que je le fais. Tu peux la diffuser sans que je sois visible, comme ça, on ne me reconnaîtra pas. Et voilà. D'accord, très bien. Ok, bah c'est déjà bien. Je te remercie. Merci beaucoup Corinne. Et puis, C'est bah un merci à plaisir. Emmanuel. Hein. Voilà. Ben, Et puis à de. moins que j'ai oublié de préciser, si Emmanuel était gêné par rapport à tout ce qu'on a vécu, la force qu'on avait vécue, vous n'êtes pas obligé de la publier non plus. Ah si, moi, c'est vrai Emmanuel. que c'était un moment très très fort pour Ah moi oui. aussi. Mais oui, bien sûr, je pense qu'il faut la publier, bien sûr. Oui, de toute façon, D'accord, ça ne te ou dérange alors, pas, parce que bon, il y a mon non, mais avis, mais on en aussi le aurait tien, parlé. parce Hein. que. Non, mais si ça D'accord, avait été le cas, on en d'accord. aurait parlé en privé. Hein, donc,
Très bien, très bien. Ok. Ok, d'accord. Bon. Mais on ne savait pas ce qui allait se passer. C'est pour ça que là, je me permets de souligner et d'être dans le profond respect du vécu d'Emmanuel. C'est Voilà, tout à fait c'était ça. normal. Le respect est important. Voilà. Absolument. Oui, je suis d'accord. Parfait. D'accord. Merci à toutes les deux. Alors, Alors, je je vous reste un peu avec embrasse. Emmanuel. Merci, nous Oui, aussi, je bien sûr. t'embrasse. Moi, je t'embrasse Bien aussi. sûr. À très bientôt. À Au revoir, bientôt. Emmanuel. Au À revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir.